Et bienvenue pour un nouvel épisode de la roue de la futune, c'est le 7ème, nous sommes en division 9, notre meilleur joueur c'est toujours donc Boateng, le joueur allemand du Bayern de Munich avec 87 général, notre meilleur buteur c'est Jermaine Defoe qu'on avait acheté récemment en informe, 3 buts, Rodwell, meilleur passeur avec 2 buts, et enfin en termes de nombre de matchs joués c'est Laurent Koscielny, le français qui joue en BPL avec 7 matchs, voilà. Allons-y tout de suite. Merci encore à ceux qui suivent cette série. Encore une fois, je rappelle que le concept vient d'un youtubeur anglais, Spencer FC, à qui donc qui a eu vraiment cette super idée pour ce super concept. Voilà, donc je l'ai appliqué en français et puis parce que je trouve ça assez amusant. Allez, on y va pour la suite. Et on va faire tourner la roue. C'est parti et on va pouvoir acheter un joueur. Alors, allons voir ça, qu'est-ce qu'on a, dont on a besoin. Et alors, pour étoffer notre équipe un petit peu hybride, et puis également l'équipe de BPL et l'équipe de français, je vais prendre du Gueuloris. On va essayer de le trouver, il a été up récemment. Donc, et c'est quand même un très bon gardien dans le jeu. Voilà, on va faire une recherche, et je pense qu'on va l'avoir autour de 9000. Et on va l'avoir à 9200 pour être précis, et on le prend. Voilà, donc ça va étoffer le secteur défensif. Donc on va utiliser Lloris hein, dans notre équipe un peu hybride, donc avec à la fois Alexis Sanchez, Koscielny et puis des joueurs néerlandais, Bazoer, Van Ginkel, Narsing et Jermaine Defoe en attaque. Notre équipe, notre adversaire a une équipe plutôt de Ligue 1, mais pas que, il y a aussi Sergio Ramos, c'est assez spécial. Corner pour nous, 8ème minute, on joue avec Narsing. Le néerlandais, ouais, qui est dans la surface, qui se débrouille pas mal, un peu de skill, oui, qui va pouvoir tirer, peut-être but là, ah non, bel arrêt de Ruffier, pas de chance. On est encore bien en jambes avec Defoe qui donne à Van Ginkel, ouais, Van Ginkel qui va pouvoir donner tranquillement à Defoe, Jermaine Defoe à Dante, qui a bien défendu, pas de chance. Attention au contre, c'est bien repris par Alexis Sanchez avec Luke Shaw, il joue avec Rodwell, qui pour jouer avec Shaw. Bazoer, c'est pas mal ça. Allez, Van Ginkel. Ah, c'est un petit peu long. Bazoer qui tire de loin. Belle frappe, mais bel arrêt de Ruffier, décidément. Ça ne veut pas rentrer. Corner à suivre. Attention là, Hulk. Hulk est tout seul, on n'arrive pas à lui prendre la balle. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais c'est pas possible. Allez, ah, on se trouve. Et c'est la finition. 1-0 pour notre adversaire. Pff. Je crois que c'est sa première action du jeu. Allez, on va réagir en deuxième mi-temps. Defoe qui va se retrouver peut-être seul devant le but. Oui, devant le gardien. Mais super. Pichenet. Alors qu'il fallait tirer. Ça arrive. C'est pas fini. Vanderville. Rodwell. Bazoer. Allez, le tir de Vanderville, malheureusement. Encore arrêté, décidément. Peut-être là avec Rabiot. Boutbouze. Rejoue avec Rabiot. Mais non, c'est bien défendu. Putain, je le sens pas bien là. 85ème minute, attention. Umtiti, Shaw. Umtiti. On tricote là, on tricote. Allez, Vanderville, et on perd la balle. Et c'est la fin. 1-0, franchement, on n'a pas eu de chance. Sur ce match, on m'a été mieux. Mais bien joué pour l'adversaire. C'est dommage. Les notes sont pas terribles. Bon, Lloris, c'est l'homme du match, mais. Devant, à part Bazoer, c'est vraiment très moyen. Bon, c'est comme ça. On avait bien entamé la division 9, mais là, c'est moins le cas. Ouais, ouais, c'est pas top. On va tourner la roue à nouveau. Bon, donc, on venait d'acheter un joueur, en l'occurrence Lloris, et nous allons jouer un licenciement. On l'a déjà eu l'occasion de le faire deux ou trois fois. Voilà. Donc on va jouer un licenciement. C'est important de gagner aussi. Donc on reprend à peu près les mêmes. On aura Iturbé sur la droite à la place de Narsing. Pour changer un petit peu, Juan Manuel Iturbé, l'Argentin qui jouait en Angleterre. Toujours Jermaine Defoe, Bazoer, Rodwell, Sanchez, c'est pas mal. Oula, belle équipe. Belle équipe de Ligue 1 en partie avec un trio d'attaque Cavani, Benzema. Donc lui c'est BBVA évidemment. Lacazette, Entep, c'est chaud. Bazoer. La balle qui peut passer à Defoe. Defoe qui tire. Arrêté par Mandanda.
Corner qui va suivre. C'est joué. Alexis Sanchez qui va pouvoir centrer. Il n'y a personne peut-être. On reprend avec Koscielny. Qui va trouver Bazower. On essaie de mettre la pression. On va garder la balle avec Alexis Sanchez. Bazower. Van Ginkel peut-être avec sa frappe du gauche. Poteau. Bazower à nouveau qui trouve Rodwell. Ah, allez Rodwell. Avec Van Ginkel. Oui. But. C'était presque arrêté par Mandanda. C'était bien dans ses buts. 1-0. Belle action en force. Je dirais en pressing. Tout en pressing. Allez, on continue. Rodwell qui va trouver Sanchez sur la gauche. Alexis Sanchez. Petite roulette. Oui, il se faufile. Oui. Oh, il est fauché. Oui, il est fauché par Mathieu, je crois. Penalty. Sans aucun doute. Il avait un peu mystifié à... Ouais, il est fauché. Il y a faute. Je pense que c'est indéniable. Penalty. Attention. Il faut marquer pour se mettre à l'abri. Et ça rentre. 2-0 à la demi-heure de jeu. Plutôt pas mal. Enfin, c'est un adversaire qui a une belle équipe, mais qui n'est pas forcément très haut de la main. Il fait une erreur là. Iturbé. Avec deux faux, oui. Ah, c'est arrêté. Deux faux en deux temps. Superbe. 3-0. On est opportuniste. On bénéficie d'une erreur adverse. Ça fait 3-0. Jermaine Defoe qui augmente son compteur de but. Je pense qu'il passe à 4 là. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est, on a de la chance. Deuxième mi-temps, on fait des changements. On est en 72e minute. Benteke, Narsing. Notamment. On est à l'abri. Hein. Il se passe pas grand chose dans cette deuxième mi-temps. On peut essayer d'en mettre un quatrième peut-être. Chaud, Bordwell. Attention à Koscielny, oui, tranquille. On la donne à Van Ginkel. Van Ginkel, personne. Ouais, on peut aller marquer là quand même avec Sanchez. Allez, pan. Oh non. On a fait une pichenette. Encore un problème de touche avec la manette. Allez, Benteke qui trouve Rabiot. Rabiot qui tire, mais c'est un peu mou. C'est pas grave. 3-0, on va prendre les 3 points. Et c'est fait. Les notes, Van Ginkel 8, Rodwell 7-5, 7-9 pour Iturbe, 7-6 pour Defoe et Luke Schulmerum, l'homme du match avec 8. Plutôt pas mal, c'est assez équilibré, il n'y a que Narsing qui a une très mauvaise note, qui est rentré en cours de jeu. Sanchez a une bonne note aussi, 7,9. Et notre adversaire, alors qui on va prendre sur notre adversaire? Benzema, ça risque d'être un peu cher, Cavani aussi. Et je pense qu'on va prendre Lacazette, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie de prendre Lacazette pour l'équipe de Ligue 1, l'équipe des Français. Ça peut être pas mal. Et on a 3 points, on arrive à 9 points dans cette division 9. Il nous reste 6 matchs pour gagner 1 point pour monter, ça devrait le faire, pour monter en division 8. Donc on va acheter Lacazette, voilà, il coûte quand même presque 12 000 crédits. Et on va voilà, faire l'acquisition d'un grand joueur hein, de l'équipe de Français, qui est pas mal, qui est bien dans le jeu, les super stats, ça va le faire. Pour la suite. Et on va tourner la roue pour la troisième fois dans l'épisode. Et nous allons ouvrir 5 packs. Voilà, 5 packs. Donc allons à la boutique, voir quels packs nous sont proposés. Alors c'est des packs premium or uniquement. Alors premier pack. Et c'est un défenseur gauche de Tottenham, c'est Rose. C'est pas mal ça, plutôt pas mal. Le reste est moyen, je pense. Après, on est... obligé d'avoir aussi des éléments, mais c'est plutôt bien, des contrats, etc. Voilà. Deuxième pack, tout de suite. Et c'est un joueur de Monaco, Silva. Pas le meilleur non plus. Voilà, et c'est tout. Sinon, c'est que des éléments. Et on a d'avoir quelques doublons à droite, Areola et Ziquette qu'on va vendre rapidement ou sur le transfert, je sais pas trop. Ensuite, troisième pack, pack. Et c'est malheureusement pas grand chose. Tomovic, 75 au général. Là, c'est vraiment un petit pack. On a quelques maillots. Allez, quatrième pack. Peut-être un gardien espagnol. Roberto, qui joue à l'Olympiakos, je connais pas très bien. Pourquoi pas. Pas forcément verni sur ce pack opening. Mais bon. On prend ce qu'on a.
Et dernier pack, peut-être. Aïe aïe aïe, non. Oh là là, Sassuolo, un joueur de Sassuolo en Italie. Bon bah c'est pas un super pack opening, c'est pas grave. On va continuer d'avancer, on a 20k crédit. Et on est toujours en division 9. Alors allons-y pour le troisième match. Pour ce match, on va utiliser l'équipe de Ligue 1 avec Lacazette, donc on a acheté il n'y a pas très longtemps, juste avant le pack opening. Voilà, Lacazette, Boudebouze, Rabiot, Umtiti, donc c'est pas une équipe, la Saladira évidemment, Mukanjo, c'est pas l'équipe la plus forte, mais voilà. Alors on a face à nous une équipe de BBVA, plutôt pas mal, Konoplyanka, Griezmann, Figouli devant, Parero, Kovacic et Atsu au milieu, et en défense c'est plutôt solide aussi. C'est parti, avec Lacazette qui joue avec Boudebouze. Ouais, Boudebouze qui peut tirer. Ter Stegen, Lacazette derrière. Ah, il y a cafouillage. Pas moyen de marquer. La demi-heure de jeu. Attention ici. Voilà, Kovacic. Touche qui va être jouée par Debuchy. Attention, Konoplyanka, merde, qui prend la balle. Attention. Oh! Quel but! Quel but de Konoplyanka! Eh ben, exploit individuel là. Une frappe du fond des âges. Et qui fait mouche. 1-0. Attention. Deuxième mi-temps. Konoplyanka encore à gauche. Ah, le poteau! Mais ça fait. C'était hors jeu. Il faut se ressaisir. Il faut absolument égaliser. Peut-être là avec Lacazette. C'est pas trop quoi faire avec Debuchy, Rabiot, la Saladira, Boudebouze. Ah, pas moyen. Attention au contre là. Figouli, côté droit. Faut peut-être faire un peu de pressing quand même. Et ce sera un 6 mètres. Coup franc, tiré, malheureusement. Sans trop de danger. On a du mal. Allez, ils sont que 10. La Saladira peut-être. Tire de Lacazette. Arrêté par Ter Stegen. C'est vraiment pas de chance. C'est la tête là de Guerrero qui est entré en cours de match. Oh punaise, on n'arrive pas. Hein. Et ça fait défaite 1-0. Je suis assez déçu de ce match. Pas passé loin. Il y avait moyen de faire mieux. Mais c'est comme ça. Ça fait pas forcément nos affaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Pas terrible, hein. Deux défaites, une victoire. Enfin, une défaite, une victoire, une défaite, pour être précis. On peut faire beaucoup mieux dans cette division 9. Il nous reste un point, donc je pense que c'est faisable, hein, sur 5 matchs. Ça devrait le faire, mais méfiance quand même, hein. Essayons de faire un peu mieux. Donc, notre meilleur joueur, c'est toujours Boateng. Le meilleur buteur, c'est Defoe qui est passé à 4 buts. Rodwell est passé à 3 passes décisives. Et en termes de match joué, c'est Koscielny. Et nous sommes toujours en division 9. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez, à partager, à commenter. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt, bye bye.